Eh bien salut tout le monde, c'est Get, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing Welcome Amiibo. C'est la mise à jour, encore une fois, de Animal Crossing New Leaf. Ce Animal Crossing 2.0, si on peut dire, parce qu'il y a tellement de choses que ça ne finit pas. Déjà, on a du courrier, donc on va ouvrir ce courrier. Ok, j'ai tellement de choses dans mon courrier. C'est pas grave. Ok, on va vider un petit peu ma boîte aux lettres. Hop, c'est pas ma boîte aux lettres. Hein. J'espère que vous allez tous bien quand même. J'espère. Ok, alors je jette tout ça. Ok, je jette. Ça sert plus à rien. Un jour, ils feront une boîte aux lettres. Enfin, une... Comment on appelle ça? Je retire mes cadeaux. Vous allez voir, j'ai acheté plein de trucs. Oui, hop, on s'en fiche. J'ai acheté plein de trucs, vous allez voir. Et donc, j'espère qu'un jour, ils augmenteront la... des lettres, parce que c'est chiant, on en a pas assez en fait, on peut pas emporter assez. Ok, voilà, comme ça c'est bon. Donc je n'ai rien fait du tout depuis la dernière fois, j'ai pas rallumé du tout le jeu, donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être des choses que je n'ai pas faites, notamment je regarde les maisons. Ah oui, non, mais c'est, on avait vu un petit peu à quoi ça allait donner. Je vais ouvrir vite fait mes petits cadeaux. Donc j'en ai 6 des petits cadeaux. Notamment des petites... comment on appelle ça? Des petits meubles? Oui, on va dire ça. Donc des petits meubles. Donc, autant vous dire que... C'est quoi ça? Ok, j'ai un nouvel habit. Mais depuis quand j'ai eu ça? C'est la caravanerie qui m'a donné ça. Ouais. Mais je préfère la petite robe bleue. C'est plus mignon. Alors, ok, donc, je vais juste vite fait aller... Ok, dans la partie là-bas, dans ma maison. Vous allez voir, ça a changé un petit peu aussi. Donc, j'ai fait... pas grand-chose, en vrai. Enfin, j'ai rien fait, en fait. Et normalement, ici, c'est censé être changé. Suspense, oui. Voilà, donc du coup, vous voyez que j'ai agrandi cette pièce-là. Je sais pas s'il avait fait avec vous, en fait, j'ai un gros doute. Et on va déjà la décorer avec... Non. Je me trompe à chaque fois. On va déjà la décorer avec ce pattern ici. Enfin, ces motifs. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous reconnaissez un petit peu ou pas du tout? Je ne sais pas si vous reconnaissez. Bon, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Waouh, c'était très intéressant. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'est un des... c'est un peu loin, je sais. C'est un des... comment on appelle ça? Des sets... Ah, comment on appelle ça? Si, c'est ça. Des sets de décoration que j'aime le plus. Avec Royal. Bon, après, je compte pas les ultra chers. Royal, chalet, bois moderne, moderne. Et il m'en manque un, je crois. Bois moderne, moderne. J'ai un doute. Je ne sais plus. Alors, Nasser, il m'a offert... un truc. Pourquoi il m'a offert ça? Attendez, parce qu'il se passe des choses bizarres. Ah non, d'accord. Ok. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Meli Melo, bon voilà, donc ça c'est parce que j'ai commandé des bidules. Pour pouvoir décorer ma pièce. Voilà, donc, alors. Je peux mettre mes meubles comme je veux maintenant. Ok, on va faire comme ça. Tu poses. Poser, on va mettre ça aussi ici. Regardez, pouf, la statue de villageois. Ça, on s'en fout. Ok, et maintenant, je vais utiliser la fonction Happy Home Designer. Voilà. Ok, donc. On va mettre ça comme ça. Ça comme ça. Bon, ça, pour l'instant, c'est pas du tout le bon pattern. Mais c'est pas grave, on va le mettre dans le coin. Non. Comme ça, la statue, on va le mettre là, dans le coin. Ok. Le siège, on va le mettre sous l'horloge parce que c'est joli. Bon, par exemple, j'ai pas beaucoup de déco, hein, donc on peut pas mettre dessus. Hein. Non, on peut pas. Donc j'ai pas de table. Il aurait fallu une petite table pour mettre en dessous. Donc pour l'instant, on va mettre ça là-bas. La Wii U et la 3DS, vous allez en bas. Et vous là-bas en bas. Ok. Ok. Voilà. Bon.
Ça sera bien comme ça. Je sais pas si j'ai des trucs dans le... Attendez, j'ai peut-être des choses chalées dans mes placards. Peut-être. Aujourd'hui aussi, on va prendre un nouvel abîme. On va aller voir notre nouvel invité, puisque j'ai vous rappelez, j'ai un nouveau invité. On va prendre un nouveau Habibo pour Follet, que je vais faire tout de suite, je pense. Hop, voilà, je l'avais expliqué dans la fois dernière. Mais juste avant, j'aimerais voir si j'ai des meubles chalets qui traînent. Alors, mon Dieu, que c'est rempli. Moderne, courante, flèche. Ok. Ordinaire, cuisine, d'accord. Hi-fi doré, pois rouge, chauffe-plat, télé Yeti. Il faudrait que je refasse une cuisine entière. Salle de jeu, patio, indienne. Non. Ça, c'est des trucs un peu spéciaux. Pâte, sculpture lion, glace, stagiaire, moderne, moderne. Fondue. Fontaine à chocolat, plaque chauffante, fait tout, patchwork, c'est la baignoire, ça c'est pour ma baignoire. Ouais, j'ai vraiment tout, boîte nordique, chalet, fauteuil chalet, bon j'en ai un deuxième, bon, c'est pas grave. Piscine, jardin, mur enfant, commode enfant, enfant ça me va, j'aime bien aussi. B, voilà, Cosmo, roux. Et j'ai tellement de choses modernes, j'ai du moderne aussi qui traîne ici. C'est bon à savoir. Des murs, salle d'expo, mur enfant. Je vais juste foutre mes habits là-dedans. Voilà. Manuel d'instruction, c'est pareil, il va, il est là. Voilà. Et donc dans le dernier truc, j'avais des habits ici en fait. Attends, ici, il y a quoi? Ranch, aluminium. Ok, je sais pas ce que ça fout. Trophée de pêche en or. Ok. J'ai rien vraiment, non j'ai rien. Donc Follet. Tout 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 tout. Alors, tadam! Juste pour information, je ne peux pas rester longtemps, j'ai l'air libre et sans personnage à incarner. Mais ce n'est pas bien grave, cette lampe est beaucoup plus confortable qu'elle n'en a l'air. Oui. Est-ce que tu disposes d'Animal Crossing? Puis un NFC? Alors oui. Si oui, n'essaye pas de toucher. Donc aujourd'hui on va mettre Linklou. Donc je crois que ça permet d'avoir un loup. Avec nous. Voilà. Un nouveau loup avec nous. Vous voyez? Un nouveau loup spécial Zelda qui vient dans notre village. Ça pourrait être vachement bien. Enfin, un peu de repos. Elle est bien gentille, cette Midona, mais elle pèse son poids. Youpi, c'est Link. Tout craché, pas vrai? Ton désir sont des ordres. Que souhaiteriez-vous? Je veux un cadeau. Viens jouer avec moi. Je sais pas quoi faire. Bien, est-ce qu'on demande un cadeau? Allez. Aucun problème, voyons ce que j'ai dans ma musette. Ah, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merde, j'ai pas lu. Un berceau? Eh bien, je n'ai plus qu'à me retirer. Ok, donc il me donne des bons de commerce parce que j'étais gentil. Tadam! Mais j'ai pas eu le temps de voir. Non, d'un ectoplasme, il n'y a rien à l'intérieur. Ok, et j'ai eu quoi du coup? Berceau. What? Pourquoi il m'a donné ça? C'est nul! J'en veux pas! Je vais le vendre. Ok, donc bon. Je m'attendais pas trop à ça. J'aurais dû faire viens jouer avec moi, ça aurait été plus productif, je pense. Bon, c'est pas grave. Normalement, il devrait y avoir quand même le. Oh. Là, il me manque une fleur rose. On va arroser. Where is my arrosoir? Là. Il faut que vous. Vous reproduisez les fleurs, s'il vous plaît. Merci. Je veux une rose. Donc, c'est des œillets. Hein. À vous, c'est pareil. Une rose, il me faut. Ok, donc, alors. Notre nouvelle habitante qui est censée être ici. Ah, ok, pas gênant. Ok. Je suis allé me promener. Mais non! Tu pouvais pas aller te promener le jour de ton arrivée! Alors, on va retirer celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Ok. Voilà. Je sais pas si, admettons. Elle est là. Oh, je l'ai vue! Elle est dans le coin là-bas.
planter. Est-ce que si je fais ça, à mon avis, ça poussera pas le... à côté de la maison, mais on sait jamais. De toute façon... Ok, hop, planter. Je l'ai vu. C'est ma chérie. Quoi? Vous êtes jaloux? Elle est là. Oh, oh. Oh, toi, aussi tu habites dans cette ville, tu dois être Julie, pas vrai? Moi, c'est Dalma. J'ai emménagé ici parce que... c'est un peu dur à expliquer, en fait. J'ai eu le sentiment d'être appelé. Chaque fois que je pensais passer dans le coin, c'était... Hé, hey, Dalma, par ici. Oh, Dalma, par là. Les arbres le disaient, hein. Les collines et les forêts. Le soleil le criait. Le vent le soufflait. La pluie le martelait. D'abord, je me suis inquiété. J'ai bien cru que j'étais en train de tourner la carte. T'entends des voix, ma parole. T'as besoin de repos, ma grande. Mais je me suis dit... Me suis dit-je. Et là, qu'est-ce que j'entends? Bon, Dalma, tu la ramènes ta fraise, oui ou non? Alors, je me suis dit que c'était le destin. Bon, entre nous, j'aurais pensé que le destin était plus poli. Mais je lui ai obéi, et me voilà. C'était l'édifiante histoire de mon emménagement. À bientôt, voisine. Oui, bah ton histoire est trop bien. C'est ma, une de mes habitantes préférées. Re, Julie, tu as besoin de quelque chose, brute? Julie, il faut que tu m'aides. J'ai le droit absolument de me procurer un berceau. Ça va prendre de la mode. Je viens juste de lire dans le style de... Mais j'en ai un. Ils disent que de faire vite. Demain, il sera peut-être trop tard. Tu en as un, je crois. S'il te plaît, tu peux me l'échanger contre un pull marin. Ah, si ça te fait plaisir. Évidemment, tu demandes la seule chose que j'ai dans mes coffres. Dans mes coffres. Dans mon sac. Hein. Dans mes poches. Oui. J'ai une tache rouge sur le nez. Regardez pas. Merci beaucoup, Julie. J'apprécie vraiment ton aide, brute. C'est pas grave, tu sais, moi, tout le plaisir est pour moi. Moi, je suis ton ami le plus dévoué. La plus... Non! J'ai failli effacer un motif. Ouh! Alors que je voulais juste appliquer au sol, mais j'ai appuyé à côté. Allez, on remet ça. Alors ça, c'est très chiant, parce que... Quand vous avez un habité, bah, tout... Enfin, la tante, sa tante, elle défonce tout. Genre, en mode, bah quoi, il y avait de la place ici, non? Oui. Je t'en prie, hein. Bon, d'ailleurs, Runard, je lui ai même pas acheté le machin. Mais non, mais t'es sérieux, mais ici, regarde, il est juste là, le petit trou. Juste devant toi. Tu vois pas? Allez, hop, appliqué au sol. Voilà, c'est bon, on a réparé. Ok, bonjour Dalma, on va aller voir là-bas. Caravanegar, normalement, Linklou devrait être là. Ou pas. Ok, pas du tout, merde. Je sais pas ce que je voulais faire. Bonjour Joe, alors il vend quoi? C'est quoi? Bah je... Ah, t'en as eu un pot de succulente. 5 bons de commerce, trop cher. D'accord. Et ça, c'est quoi? Pizza. C'est vraiment une pizza? Ah, en fait, c'est vraiment beaucoup de trucs à bouffer, en fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup de bouffe. Bon, c'est bien, ça permet de faire des cuisines, mais il faudrait que je refasse ma... Une cuisine, quoi. Qui ça va être? Surprise. C'est la surprise. Ah, oh, bah tiens. Roberto. Les chorégraphies effrénées de Roberto te fatiguent et tu n'arrives pas à suivre? Peu chaud à Roberto. Roberto aime cette ville et la ville aime Roberto. Le cœur de Roberto danse le flamenco dans, les rues, dans ses rues. Mur carnaval, ok. Canapé carnaval. Il y a vraiment tout un set carnaval? Je ne le savais même pas. Ok. Mais il n'y a même pas de... La musique, elle y est pas. Ok, c'est un peu fou ici. Moi, je m'en vais. Donc, je suis déçu, j'ai raté, je pense, le truc avec l'ami Bowlingclou. J'aurais dû faire l'autre choix parce que, bon... Le cadeau en soi, bon, il a servi pour Dalma, mais si je l'aurais pas eu, elle me l'aurait pas demandé, donc... ouais... C'est un petit peu foiré. Donc... Et d'ailleurs, on va bientôt passer en hiver. C'est pas mal. En hiver, et du coup, tout va être blanc, les arbres vont être morts, ça va moins être joli d'un coup.
Alors, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce que par hasard des habitants se seraient incrustés en mode coucou, je me place en plein milieu de ton tes installations, j'espère que tu vas apprécier. Oui. J'adore ça. Alors apparemment, oui, non mais je le savais en fait, j'ai déjà fait. Vous savez, on peut faire comme ça. Non, on va pas arroser l'arbre. Non, il est déjà assez grand comme ça. Mais je crois qu'on peut faire genre. Voilà, comme ça. Comme ça, il n'y a plus besoin de ranger ses outils pour pouvoir. Je ne sais pas où je suis. Oui, c'est bon. On va remettre une pêche ici. Pêche enterrée. Voilà. Comme ça, ça sera derrière et ça fera le petit. Un petit carré, quoi. Ok. Donc là, ça c'est bien propre. Ici, il n'y a rien du tout. Il faut vraiment. J'ai envie de mettre des. Tout le long. Ah, ça va faire beaucoup. Hein. Là, il faudrait que je mette des oranges tout le long. On va faire ça. Voilà, par contre. Comment te le dire entre nous? Ça va. J'ai pensé qu'elles auraient disparu dans les trucs. Mais non, ça va. Et une rose rose. Une rose rose. Pourquoi les roses sont rouges? Peignons les roses en rose. Non, 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 non. Donc, hop. Ok, donc là, on fait ça. J'aime bien faire des délimitations, en fait, si vous voulez. Des délimitations naturelles. C'est-à-dire que... Non, pas les pêches. Des oranges, il me faut. Orange. Des... vous savez, il y a des chemins et avec des petits arbustes ou des... Bah, j'aurais préféré mettre ça, mais c'est tellement long à voir, je trouve. Et puis, ça pousse pas tout le temps. C'est un peu chiant. Mais des arbres et tout pour délimiter des chemins. Moi j'aime bien alors quand c'est organisé, mais pas forcément organisé de façon ultra organisée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une espèce de libre mouvement de la nature. Vous voyez un truc dans le genre. Donc si je suis ce que je suis en train de faire, il me faudrait 3, 4. Et 5. Voilà, donc si j'aimerais, je vais essayer de mettre des arbres tout le long. Bon, ça va peut-être un peu gâcher la vue, malheureusement. Mais bon, on verra ce que ça donne, ça se trouve, ils n'ont pas du tout poussé. Et en haut, c'est pareil, ici. Non, en haut, je peux rien y faire. Non, là, ça c'est bien. Ok, donc on va essayer de ça. Donc 5 oranges. Malheureusement, j'en ai plus assez. Est-ce que j'ai le filet? Je crois que j'ai pas le filet sur moi. Hein. Je sais pas. Je n'ai pas mon filet. Pas grave. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien remettre des barrières naturelles. Naturelles. Pour être naturellement naturel. Enterré. Ok. Mais voilà, je pense que là, ça va un petit peu gâcher la vue. C'est vrai que j'aurais préféré avoir des espèces de petits arbustes. Ce que je vais faire avec les arbustes, c'est les mettre entre les deux arbres. Comme ça, si jamais... Entre chaque arbre, plutôt. Comme ça, si jamais c'est pas beau... Avec les arbres, je les couperai. Il y aura toujours ces petits arbustes. Arbustes. Ils font le travail. Alors. Bonjour, Dalma. Are you bien aujourd'hui ou pas? Donc, il me manque 2. Donc, je te prends ça. Bah, de toute façon, je vais prendre les 3. Ok. Et je vais aller poser ça. Vous voyez, comme ici, en fait. S'il y avait limite des arbustes de l'autre côté. Ça va faire, en fait, ça va faire comme ça. On verra pas le chemin. C'est pas grave. Il y a juste là les plantes qu'on verra pas. C'est tant pis pour elle. Ok, enterré. Voilà. En fait, j'ai un peu fait tout ce que je voulais en termes de nouveautés. Là, je crois que j'ai un peu tout vu. Vous me demandez, vous êtes beaucoup à me demander comment on fait pour revendre sa ville. Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout regardé du tout. Du coup, ben, je sais pas. C'est pas des conneries, hein. Je sais vraiment pas. Ok, donc ça c'est bon. On va aller chercher des arbustes, justement. 10, ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé, toi et moi? Juste arrivé de toi la nuit dernière, tu engloutissais de la polenta. Et ton ventre gonflé, j'ai cru que tu allais exploser. Je me suis inquiété pour toi, hein, mais j'étais aussi un peu... petit peu jaloux en selle. En selle! Oui, le courrier, j'ai toujours pas vidé. Moi, je suis un rebelle, je vide pas le courrier. Ici, j'aimerais tellement qu'il y ait des projets et tout, quoi, mais... Le jeu m'aime pas. Il veut pas que je fasse des projets.
Là, c'est pareil. Là, ça va à peu près. Je suis plutôt content de ce que ça rend. Bon, il sait pas. J'aimerais bien qu'il y ait des fleurs. Mais tout un. C'est des trèfles. Je sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des fleurs plutôt dans un sens précis, dans une unité colorimétrique. Colorimétrique. Ici, c'est un peu vide. Ici, j'ai dit. Oui, j'ai dit deux fois ici. Et alors? C'est un peu vidasse. C'est pareil. Il y a la maison d'Alma qui s'est rajoutée. Donc, du coup, c'est moins vide. C'est plutôt bien. Et donc, en haut, c'est pareil. Il y a. Rien. Vas-y, on va aller voir Izette. On va lui vendre des trucs. Vas-y, va te vendre des trucs. Voilà, donc en gros, c'est à peu près ça. Il faudrait donc que j'aménage et que je recommande. On va commander des. Bonjour! Tu es le bienvenu. Bah, j'espère bien. Non, mais. Je viens te vendre ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, je vais deux pêches, un sole ordinaire, une pierre et un pull marin. Et un engrais. Voilà. Ouais, ça en fait des choses. Vas-y. 4000. Non, mais allô, quoi? C'est quoi ces prix tout nuls? Il est quelle heure? 14h. Ok, je regarde l'heure parce que je suis peut-être censé aller à la piscine aujourd'hui. On s'en fout, hein, mais je vous le raconte quand même. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir y aller en fait. Parce qu'il est déjà. Alors, pourquoi tu vas pas? On va aller voir Robusto. Faire un petit café, ça fait ultra longtemps que je l'ai pas vu. Ça se trouve, il se passe des choses que je ne sais pas. Ok. Et j'ai. D'ailleurs, j'ai. Un petit café de son clochette, la tasse. Oui, s'il te plaît. Très bien. D'ailleurs, la prochaine fois, j'ai encore des amiibo. Alors, qu'est-ce qu'on pourra tester? Ah, attendez, est-ce que. Il me reste. Faudra qu'on refasse Linklou un moment, mais on va changer la prochaine fois. Tout frais, tout chaud. Merci. Donc, j'ai encore Link Cartoon, qui pourrait être sympa. Peut-être qu'il aura des. Médoli, peut-être. Médoli? Ah, ça s'appelle comme ça, hein. Médoli? Ouais. Ah, pile poil le goût que tu recherchais, merveilleusement sophistiqué. Voilà, donc il me reste ça. Et après, j'ai le Yoshi bleu. Lui aussi de laine bleue, je sais pas si ça fait quelque chose. Au pire, on pourra tester. Et j'ai aussi. Mario Pixel. Je sais plus le nom que ça. Mario Pixel classique. Le vieux, qui est très gros et très lourd, mais j'aime bien. Donc peut-être que ça va faire des choses aussi. Et après, sinon, j'ai Thibou, j'ai Marie, j'ai Max, j'ai Tom Nook, j'ai Kéké qu'on a déjà vu. Et c'est tout. C'est tout. Vrou, merci. Ok. Tout. Donc on verra bien ce que vous préférez. Dites-moi si en commentaire lequel vous préférez. Link Cartoon, peut-être? Dites-moi. Dites-moi. Alors, on va aller. Donc, où j'ai failli écraser toutes mes fleurs. Là, là. Là-haut. Ok. Hop. Dans les magasins. Pour pouvoir acheter des trucs. Des trucs. Donc, on va acheter des petits arbustes. De l'engrais pour continuer. Pour essayer d'avoir la pelle d'or. Et j'aimerais bien acheter encore des trucs chalets. Et pour ça, je vais devoir aller dans mon village à JD. Puis trouver quelqu'un qui a ça. C'est compliqué. Bien le bonjour. Bonjour. Je voudrais de l'engrais, s'il te plaît. 1600 clochettes. Aria, je prends. Espèce d'arnaqueur. Ok. Pareil, est-ce que j'ai mis du bambou quelque part? Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est tellement relou. C'est tellement relou parce que dès que tu t'en plantes un, bah ça y est, c'est la jungle de bambou. C'est fini. On va aller quand même à l'étage au cas où s'il y a un truc chalet. Moi, je ne sais pas. Le mur, on n'a pas le mur non plus. Donc. Oui, bah tais-toi. Je sais. Table basse. Non, il n'y a pas de truc chalet. Ça, c'est quoi? Tonnelle. Non, je n'en veux pas. Fais voir. Ok. Non, j'ai dit que j'en voulais pas. Tudu-tudu-tudu. Un mur dindon. Il est sérieux là? Son mur dindon. C'est toi le dindon? Non mais l'autre quoi. Bonjour, je veux un mur dindon. Écoute, si tu veux. Ok. Ok. Il fut un temps, sur ma première
partie, ma première ville, bon augure, je crois. J'achetais tout à chaque fois. Genre, j'achetais tout, tout. J'achetais tout. D'ailleurs, je vais parler à Tom Nook pour la pièce. S'il n'y a pas moyen d'agrandir encore, il me reste quoi? Je crois que j'ai même pas acheté le sous-sol, mais c'est parce que je voulais faire une salle de bain dedans et le temps de finir, je vais faire une pièce par une pièce, sinon je vais pas m'en sortir. Bienvenue, bienvenue, juste ciel joli, quel plaisir de te voir, les travaux d'extension terminés, hein? Comme si tu avais changé ta maison. Oui, bien, les bons comptes font les bonnes affaires, parlons chiffres, oui, ça coûte que 498 000. Ok. Tu vas sortir, ton porte-monnaie va souffrir, mais bon. J'ai déjà, non, Lou, elle est plus là. Elle est plus là, Lou, c'est con. Ok. Je regarde le temps qu'on est de vidéo. On va aller dans le truc. Village témoin. Justement, aimerais-tu faire un tour au thé? Bah oui. Ouf, bien sûr, aucun problème, alors c'est par ici. Ok. On va y aller. Il faut que je trouve des chalets. Oh, mais je sais pas si j'ai trouvé. Le truc, c'est que. C'est compliqué parce qu'en fait, je sais pas puisque les gens. Le truc, c'est que c'est compliqué parce que tu sais pas ce que les gens ont dans leur maison. Donc tu vas dans la maison et tu vas visiter pièce par pièce. Et des fois, c'est. C'est plein de trucs, quoi. Parfait, prends tout ton temps. Alors apparemment il y a eu du changement. Il me dit, oh, il y a du changement par ici, mais bah j'ai rien vu en fait. Alors, il me faudrait une grosse maison. Alors celle-là, peut-être qu'il va y avoir une pièce chalet dedans. Donc c'est le village témoin, c'est tous les gens que j'ai rencontrés en Street Pass. Hein. Enfin tous. Plus ou moins. Ah bah. Ah bah c'est parti hein. Passez commande. Mur chalet, c'est parti, je prends. Voilà, je peux en prendre que 5. Hein. Ah, canapé chalet, c'est parti. Ok, donc ça fait 2 chaises. 3. Quatre. Il m'en manque encore un. Il n'y a plus de trucs chalet. Ok, bon, pour l'instant, je vais regarder les autres pièces. En tout cas, ça rend ultra bien. Cette pièce est ultra bien faite. Il y a un mélange en fait, entre chalet et nordique qui rend. Vraiment, elle est jolie, hein, la petite pièce. Hein. Franchement, elle est jolie. Hein. J'aime bien. Maintenant qu'on peut dessiner comme. Oh, bah oui. Mais le royal, c'est mon royal. Vous voyez, en fait, une pièce royale petite, ça rend mieux qu'une grande pièce. Moi, elle est grande, ma pièce royale. Du coup, ça fait des espaces vides. L'espace vide, qu'est-ce que c'est? Vous avez 4 heures. Donc voilà, aujourd'hui, donc pas de questions plus que ça. Enfin, il n'y a pas de question du jour, ce sera plus un. On prend qui comme amiibo la prochaine fois? Genre. Link Cartoon. Tout ça. C'est quoi ici? On dirait une salle d'école. Bah, c'est en fait, c'est un peu ça. C'est marrant. Une salle de cours. Une salle de cours. Par contre, ouais, je trouve qu'il y a juste. J'aurais bien aimé que. Il y ait une façon de débloquer les meubles, un peu comme dans Epium Designer, où vous savez, vous arrivez chez quelqu'un. Oh! Un jardin d'intérieur à l'étage. C'est mignon. Bon, c'est bien, c'est que j'ai pu acheter 4 trucs chalet. Ah, je croyais que ma DS était rouge parce que le voyant s'allumait, mais en fait, c'est quelqu'un qui vient de se connecter à l'internet. Un de mes amis. Voilà. Ou quelqu'un d'entre vous. Je ne sais pas. Ok. Et bah, elle était belle ta maison. Vraiment. Et je le pense. Ici, peut-être. Voyons voir. Est-ce que tu as du chalet chez toi? Moi, j'adore le chalet. Chalet, royal. Bois moderne. Et. Bon, rococo, c'est beau aussi. Mais bon. C'est juste pour montrer que t'as du fric, quoi. Non, ça va. Mais ça fait trop vieux. C'est une cuisine, non? C'est pas mal. Par contre, j'aurais pas. Là, ça fait plus espace vente que cuisine, mais. C'est pas mal, quand même. Tout de même. Quelle vie on mène? Quelle vie on mène tout de même? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans? J'ai pas 8 ans. Quelle vie on mène tout de même quand on a 23 ans? Ok, ici, c'est quoi? Espèce de bibliothèque à fossiles. Mais c'est classe, en vrai.
C'est pas mal, hein. Et vraiment, en effet, recherché de style ou de décoration. Non, c'est pas mal du tout. Donc. On va chercher, on va voir de l'autre côté plutôt. Est-ce qu'il y a du chalet quelque part? Dis-moi oui. Du royal. Non? Non, c'est juste la salle de bain. Si j'ai juste la salle de bain, bon, c'est pas grave. Allez, voir si on va finir cette maison. Après, on va s'arrêter parce que bah, il est déjà temps. Encore le sous-sol et l'étage. Parce qu'en fait, je sais pas là quand est-ce que madame... ça va s'arrêter de filmer. Ok, en mode robot. Je pense que ça va pas tarder. Je pense. Donc, je vais me dépêcher. Parce qu'il me semble que c'est 4 Go maximum qu'il enregistre et on est à 3,935. Donc voilà. Ok, bon, il n'y a pas de chalet. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quel amiibo on prend la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien surtout. Et puis, à très vite, hein, n'est-ce pas? Allez, ciao!